Bonjour à tous et merci d'être ici. Alors moi je vais vous parler de sécurité pendant ces quelques minutes. Je vais vous parler de dev, d'ops et de sec. Donc derrière, on va essayer de regarder ce qui se passe derrière ce buzzword de DevSecOps. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est quelque chose, finalement, est-ce que c'est pas quelque chose de la sécurité on avait déjà avant, mais qu'on a peut-être un peu oublié, surtout les développeurs. Et la sécurité, on a aussi, au travers des évolutions technologiques, peut-être des choses à changer. La sécurité, c'est pas un donjon. On n'est pas, on est dans notre système d'information, on a mis des pare-feux et c'est fini, on est en sécurité, rien ne peut nous arriver. Donc on n'est pas dans une forteresse, on n'est pas intouchable, c'est une illusion. On le voit bien avec toutes les failles de sécurité qui sont publiques, les fuites de données, etc. Donc la sécurité, moi j'ai plutôt envie de voir ça comme un jardin qu'on entretient. Donc notre jardin, il n'est jamais nickel. Il y a toujours des petites mauvaises herbes à arracher. Il y a toujours je vais arrêter la métaphore du jardinage parce que j'y connais rien au jardinage, mais j'aime bien la métaphore. Je peux pas aller plus loin. L'idée, c'est quand même d'avoir quelque chose. On sait que c'est pas parfait, mais il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps y faire attention. Donc on fait de notre mieux en fonction, toujours trouver le bon facteur bénéfice-risque. Quelles sont mes données? Est-ce que j'ai certaines données qui sont plus importantes? Où j'ai besoin de protéger beaucoup plus que d'autres, ou certaines parties de l'application que j'ai besoin de beaucoup plus protéger. Donc pour revenir au DevSecOps, on va repasser au DevOps. Qu'est-ce que c'est le DevOps? Donc ça fait un moment qu'on en parle, je vais faire juste un petit rappel pour nous remettre dans le contexte. Donc le DevOps, ça fait une dizaine d'années environ qu'on essaye de l'appliquer, c'est plus ou moins appliqué bien ou pas bien selon les organisations, mais grosso modo, on essaye. Donc le problème du départ, c'est qu'il y a deux silos, les développeurs, les ops. Les développeurs, ils développent, une fois qu'ils ont fini leur développement, ils envoient ça aux ops. Les ops, ils mettent en condition opérationnelle l'application, ils ne savent pas ce qu'ils mettent en production, mais ce n'est pas grave, ils suivent, et en cas de problème, bah, les ops ne connaissent pas l'application puisqu'ils ne l'ont pas développée, et les développeurs n'ont pas accès à la prod parce qu'ils sont que développeurs, ils n'ont pas à avoir accès à la prod. Donc ça ne va pas. Donc l'idée du DevOps, c'est les ops développent des outils pour faciliter, faire le travail d'ops en partie par les devs, faciliter. Ce sont les ops qui vont aider les devs. Donc les devs vont pouvoir pusher et mettre en prod. Ils vont pouvoir surveiller les logs. Ils vont pouvoir leur application va se mettre à l'échelle automatiquement grâce à un outillage d'ops mis à disposition des devs. Et donc dans le DevSecOps, eh ben, on a un peu le même constat, c'est que bah, les devs et les ops développent l'application et la maintiennent en condition opérationnelle ensemble. Mais la sécurité, bah, c'est un peu vu comme des interdits. On va, au moment de la conception de l'architecture, on va passer par l'équipe de sécu pour valider cette architecture. Ensuite, on va développer, il va y avoir des revues de code par l'équipe sécu. On va mettre en prod et ensuite, il y aura des tests d'intrusion. Ensuite, et s'il y a un problème à un des tests de l'équipe de sécu, eh ben on retourne à la case départ et on perd toute notre agilité. Donc si au test d'intrusion, on détecte quelque chose, une vulnérabilité, eh ben, potentiellement, il faut revoir la conception de notre application, repasser par le développement, etc. etc. Ça ne va pas. Donc on ne peut pas attendre que... On ne peut pas attendre la fin du développement pour se poser la question de la sécurité. Et du coup, bah, la sécurité est vue comme un blocage et ça freine le développement.
et c'est un coût supplémentaire. Donc finalement, on se dit, on va pas trop faire de sécurité, on verra ça plus tard et puis tant pis. Voire, on se dit que ça peut pas nous arriver à nous. On n'est pas une cible et ça encore, c'est une illusion. Donc ça, c'est un biais cognitif qui est le third person effect. On se dit toujours que ça va arriver aux autres, mais ça va pas nous arriver. Alors qu'en fait, on peut potentiellement être la cible, peu importe notre entreprise. Donc, dans cette présentation, c'est l'introduction. Donc, on va voir dans un premier temps des outils d'automatisation, plutôt dev, et faciles à mettre en place finalement. La sécurité, ce n'est pas forcément quelque chose de très compliqué avec des outils automatiques. Des outils un petit peu plus ops. Donc, bien sûr, on ne va pas voir tous les outils, mais on va voir certains outils qui sont les plus faciles à mettre en place. Et comme pour le DevOps, où on doit essayer de livrer plus vite et de plus se parler, il y a aussi des changements dans l'organisation, des changements dans la culture de l'entreprise, dans notre manière de développer le logiciel. Donc, on va voir quelques outils d'organisation, j'ai appelé ça d'organisation, mais c'est plus dans notre manière de faire et de communiquer. Et une citation de Guillaume Poupard, qui est le patron de l'ANSSI, oublie la cybersécurité, c'est rouler à 200 km/h à moto sans casque. Donc c'est dangereux, on peut y arriver, on peut ne pas avoir d'accident, mais le jour où on a un accident, ça fait très mal. Donc moi je suis Adrien Pessu, je suis dev depuis plus de 10 ans et je travaille principalement sur des sujets de sécurité depuis un peu plus de 2 ans. Et je suis aussi Auth0 Ambassador, un groupe de personnes de speakers et de personnes qui écrivent des posts de blog. Et voilà pour ma présentation. On va rentrer à présent dans le vif du sujet. On va parler d'un SAST. Un SAST, donc Static Application Security Testing. Donc c'est un outil d'analyse statique de code. Dans l'analyse, cet outil va analyser la sémantique du code, c'est-à-dire qu'est-ce que ce code signifie, qu'est-ce qu'il fait. Et il va pouvoir détecter, selon des règles, si le code qu'on a écrit a un comportement qui pourrait amener une vulnérabilité. Est-ce que ce code-là vient de données d'entrée utilisateur? Est-ce que c'est une variable qui vient par exemple dans un contrôleur? Il y a des données utilisateurs, est-ce qu'elles sont sanitarisées? Est-ce que il y a d'une entrée utilisateur qui peut aller jusque en paramètre d'une requête? Est-ce que cette requête est protégée, etc. L'analyseur de code va pouvoir vérifier cela. L'outil l'un des plus connus, c'est Sonar, finalement. Il fait de l'analyse de code pour plein d'autres choses, mais aussi pour la sécurité. Et il est open source, en tout cas utilisable gratuitement. Je ne vais pas me tromper sur le terme exact dans la partie open source. L'idéal, c'est de l'installer sur le poste du dev pour qu'on se rende compte le plus tôt possible d'un bug de sécurité. Pourquoi s'en rendre compte le plus tôt possible? C'est pour diminuer le coût finalement. Parce que plus tard on va s'en rendre compte, plus un bug va coûter cher. C'est valable pour tous les bugs et dans la sécurité de la même manière. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle la tendance du shift left. Donc shift left, c'est aller à gauche et à gauche du cycle de développement. Donc ça marche pour le cycle en V comme pour le signe infini de DevOps. On essaye d'apporter de la sécurité au maximum, en amont du développement. Il est intéressant aussi que notre analyseur de code soit installé sur l'intégration continue. Ça permet au moment de valider la pull request, on est sûr que le code soit analysé et peut-être qu'une faille à un moment donné n'était pas une faille à un moment donné et l'est par la suite. Ça permet de garantir un petit peu la sécurité dans tout le cycle de vie du dev. Alors pour en avoir installé et cherché en tout cas, c'est pas forcément très facile d'être hyper pertinent sur un SAST
Surtout quand que le SaaS va pas forcément s'adapter à notre manière de développer. Par exemple, je travaille sur une application Angular. Dans Angular, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a le peu importe ce qu'on met dans le templating de notre template HTML, Angular ne va pas interpréter ce code et va l'afficher tel quel. Mais parfois, on a besoin de bypasser cette partie-là. Et du coup, on a un attribut qui s'appelle innerHTML. Et moi, j'ai un cas où on l'utilise pour innerHTML. On va aller chercher une traduction et mettre un paramètre. Et on veut que la personne qui fasse les traductions, c'est un PM. Il veut pouvoir peut-être rajouter une petite balise B ou I pour faire un peu de mise en forme. Et donc, par exemple, sur une chaîne de Bienvenue, monsieur machin, dans votre application, bah, celui du milieu, c'est un paramètre. Et si quelqu'un arrive, monsieur machin, c'est forcément l'utilisateur qui l'a rempli. S'il a mis du code malveillant dedans, eh ben, il peut y avoir une vulnérabilité. Et eh ben, un bon SAST va pouvoir détecter que c'est une entrée qui vient potentiellement d'un utilisateur. Et il peut y avoir une faille. C'est aussi plus facile de trouver un SAS pertinent sur des langages populaires. Bah, j'ai le cas moi de Groovy, et Groovy bah, c'est pas hyper populaire. Et donc trouver tout l'outillage qu'il y a autour, c'est pas évident. Groovy bénéficie de l'écosystème Java, mais pour le langage en lui-même directement, on ne peut pas bénéficier de tous les outils. Donc Java, PHP, Python, ils ont des très bons outillages et très bonnes analyses de code. Juste avant de passer à la slide suivante, je vais vous parler juste d'un concept, d'une attaque qui s'appelle la supply chain attack. Donc c'est une attaque, donc c'est en français c'est la chaîne d'attaque du prestataire. C'est les éléments, en fait, l'attaquant va s'attaquer aux éléments les moins sécurisés de toute la chaîne de développement. Donc ça peut être un fournisseur de services, ça peut être une librairie open source, une librairie propriétaire, peu importe, c'est un prestataire. Et d'ailleurs, il y a eu, c'était en 2010, SolarWinds, qui est un outil de supervision qui est utilisé par les administrations américaines. Donc c'est un outil de supervision et de sécurité réseau. C'est très ironique parce que c'est eux qui se sont fait attaquer et c'est eux qui ont fait en sorte que, enfin, c'est eux le vecteur qui a permis aux attaquants d'arrêter le système d'information de certaines administrations américaines. Et là, ce qu'on peut nous appliquer, c'est alors le nom barbare, c'est Dependency Hijacking Software Supply Chain Attack. Donc c'est la même attaque, mais on va s'attaquer aux dépendances. Et donc pour analyser les dépendances, on a un outil qui s'appelle un SCA, un Software Composition Analysis. Donc c'est, comme son nom l'indique, un outil qui va analyser la composition des dépendances. Donc il va analyser le pom.xml, le gradle.build, le package.json, voire maintenant plutôt les fichiers lock. Donc par exemple, dans notre package.json, quand on met un petit tilde ou un petit accent circonflexe, NPM va potentiellement télécharger une version supérieure, mineure ou majeure. Et peut-être que la version supérieure va introduire une nouvelle faille. Et ce n'est pas la version qui est inscrite dans notre package.json. C'est pour ça que c'est intéressant d'analyser le fichier de log qui a la vraie version de notre build. Et donc un SAST va se baser sur une base de données de failles souvent connues. La plus grosse base de données, c'est la base de données des CVE, des Common Vulnerability Exposure, qui est une base qui est gérée par MITRE, qui est une association américaine qui maintient donc le but de cet asso, c'est elle agit pour la sécurité dans le développement. Et donc la plupart des outils SaaS vont se baser sur cette base de données-là, mais d'autres, il y en a d'autres qui existent. Et donc dans une CVE, bah, il y a d'où vient l'attaque,
quelle est la partie de la librairie qui fait défaut et comment mitiger cette vulnérabilité. Moi, l'outil que j'aime bien pour analyser les dépendances, c'est l'OWASP Dependency Check. C'est gratuit, c'est fourni par l'OWASP. L'OWASP, c'est aussi un organisme à but non lucratif qui veille à la sécurité dans le développement web, qui fait le fameux top 10 OWASP des vulnérabilités. Mais il y a aussi, dans OWASP, il y a aussi plein d'outils autour de la sécurité et l'analyse de dépendance, il est très bien fait. Donc là aussi, c'est intéressant de l'installer. Donc il y a un client, il y a des plugins pour les IDE. Là aussi, c'est intéressant de quand on intègre, quand on ajoute une nouvelle librairie, bah, ça va analyser tout de suite si il y a un souci de dépendance ou pas. Mais pour le coup, le plus important, c'est quand même de l'installer dans l'intégration continue. Parce que dans la plupart des cas, quand on va chercher la dernière version d'une librairie qu'on va ajouter, il n'y a pas de souci. En tout cas, le souci n'a pas été découvert et il apparaît ensuite. Et donc c'est là où il faut être alerté et pour pouvoir agir le plus tôt possible dans le cycle du développement. Donc il y a aussi donc pour les projets open source, il y a Dependabot qui a été racheté en 2019 par GitHub, qui ouvre une pull request automatiquement. Donc maintenant les outils de plus en plus ils reprennent un peu ce concept-là. Ça ouvre une pull request pour mettre à jour automatiquement, enfin le plus facilement possible la librairie. Donc ça c'est intéressant. Tac. Pour l'analyse des dépendances, il y a aussi une autre partie qui est très intéressante et aussi facile à mettre en place, c'est d'analyser directement sur les repositories. Donc les repositories sur NPM, Maven, Nexus, JFrog, et NuGet pour si on a qui a un dépôt qu'on peut installer nous-mêmes dans notre entreprise pour les packages NPM. Ou bah, l'équivalent de Nexus pour les packages Java et pour les autres langages, j'imagine que ça existe. Donc ça va analyser, on va programmer une analyse régulière de nos dépendances qui sont sur le dépôt. Ça évite de faire des blocages dans la CI si ça prend trop de temps. C'est une autre manière de voir les choses, mais c'est intéressant. Ensuite, Docker. Alors, Docker et Kubernetes, dans la communauté cybersécurité, Kubernetes est un peu moqué. Mais donc, il y a plein de choses à dire sur la sécurité de Docker et de Kubernetes, principalement la configuration de Kubernetes. Mais très, 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 très souvent, la vulnérabilité dans ce contexte-là, elle vient des images Docker. Des images Docker qui sont pas sécurisées, qui contiennent des packages avec plein de vulnérabilités, officielles ou non. Même des officielles, bien sûr, elles peuvent avoir des failles. Donc l'outil, il en existe plein, des outils d'analyse des images Docker. Donc pareil, dans l'intégration continue, ou au moment. Ouais, dans l'intégration continue, c'est finalement le mieux. Analyser l'image avant de l'envoyer en production. C'est très important. Et comme pour l'analyse des dépendances dans la slide d'avant, eh bien, il y a des outils qui analysent les registries de Docker, les registries où il y a les images. Donc, je crois que dans le Docker Hub, il y en a un déjà d'origine. Mais comme maintenant, on n'héberge pas tout sur Docker Hub, les autres fournisseurs ont aussi des outils d'analyse. Ou alors, on peut en brancher un nous-mêmes dessus. Un outil un peu plus opérationnel encore que donc c'est un DAST, Dynamic Application Security Testing. Donc c'est un test en ce qu'on dit en boîte noire, c'est-à-dire que c'est un outil qui n'a pas accès au code, il ne sait pas vraiment quelle est l'application. On va par exemple lui donner quand même juste bah voilà l'adresse, c'est du HTTP ou HTTPS évidemment. Et vas-y, test. Donc ça va faire plein de tests automatiques, des headers, peut-être simuler des attaques, etc. Ça c'est très facile à mettre en place, mais par contre c'est assez difficile d'avoir des résultats pertinents. Parce que quand on ne connaît pas le contexte de l'application, on va pas savoir que tel ou tel framework ont plus ou moins de vulnérabilité, ou tel langage est plus sujet
à certaines vulnérabilités. Mais par contre, il y a un outil qui est très intéressant, et d'ailleurs, j'ai testé pour la première fois en début de semaine. C'est un IAST, donc Interactive Application Security Testing. Donc, c'est un agent qu'on va installer directement dans notre application. On va l'ajouter au moment où on démarre notre application. Donc, c'est un test en boîte grise, c'est-à-dire qu'il n'a pas accès à forcément tout le code, le code source, mais a accès au code qui est exécuté. Et donc, ça va analyser les interactions HTTP de l'intérieur et il va pouvoir détecter des comportements malveillants, enfin des possibles vulnérabilités ou des possibilités d'attaque sur du code. Et donc, je l'ai testé, moi, j'en ai testé un cette semaine. Mardi, je l'ai installé et directement en testant, il m'a relevé une alerte où il y avait un souci d'implémentation de OAuth directement. Et j'ai regardé, après j'ai regardé le code et il y avait effectivement un souci sur le code. Ça a été très rapide. Alors j'avais installé sur un environnement de test, mais on peut également le tester, l'installer sur un environnement de dev, ce qui fait que au moment où on développe, on pourra directement avoir du feedback sur ce qu'on est en train de développer, est-ce qu'on passe à côté de quelque chose ou alors est-ce qu'on a fait quelque chose de mal. Mais c'est intéressant de le mettre dans un environnement de test quand il y a des vraies personnes qui testent, qui vont un peu partout dans l'application. Dans un monde idéal, on pourrait lancer dans une CI et que notre application se lance, qu'il y ait des tests automatiques qui soient lancés avec l'IAST qui soit activé. Mais bon, on n'est pas forcément tous rendus là. Et je donnerai pas le nom de l'outil que j'ai testé parce que c'est payant et c'est très très cher. Mais par contre, pour le coup, ça a été efficace. Alors sur l'IAC, donc l'infrastructure as code, donc c'est l'infrastructure as code, c'est une description de l'infrastructure sous forme de code. Donc le plus connu, c'est Terraform. Donc, on va pouvoir dans Terraform dire bah voilà, on veut démarrer telle VM avec tel security group, tel VPC, etc. etc., etc. Et pour analyser ce code-là, on peut utiliser aussi un SAST de Terraform. Donc, un des connus et qui fonctionne plutôt bien, c'est TFSec. Alors, lui, TFSec, il analyse le code Terraform directement. Alors pour ceux qui connaissent Terraform, avec la commande Terraform plan, il va aller regarder ce qu'il y a sur l'infra et voir ce qu'on a mis dans notre code Terraform et nous faire un plan de ce que lui va exécuter en fonction de ce qui existe déjà sur l'infrastructure. Donc TFSec, il analyse juste le code Terraform. Il y a d'autres outils qui analysent aussi, qui analysent le plan. Dans l'idéal, ce serait peut-être de faire les deux, et le code Terraform et le plan, ce qui va vraiment être exécuté. Ensuite, on part sur des outils un petit peu plus ops. Donc un WAF, finalement c'est assez connu, Web Application Firewall. Donc c'est un firewall qui est spécifique à une application. Donc c'est une protection réseau. C'est-à-dire c'est devant l'application, l'attaque est arrêtée par le WAF, elle touche pas l'application. On peut y rajouter des règles un peu intelligentes, mais pas tant que ça. Finalement, ça va être pas mal de règles sur un peu des regex. Ben est-ce qu'on a ça dans l'URL? Et le problème des WAF, alors ça dépend des WAF, mais il y en a certains qui ne peuvent pas analyser toute la requête HTTP quand elle est en HTTPS, puisqu'on est en 2022 et tout est en HTTPS, même à l'intérieur du réseau, parce que c'est quand même beaucoup mieux. Et en HTTPS, les entêtes et le corps de la requête sont chiffrés, on ne voit que l'URL. Après, dans la pratique, dans certains clouds, le WAF
a accès à la requête en entier, puisqu'il a accès aussi au certificat, donc il la voit en entier. Mais pour pallier pour pallier à ce souci, il y a un outil qui s'appelle un RASP, donc Runtime Application Security Protection. Donc dedans, il y a Runtime. C'est un agent qu'on installe sur l'application. Donc il fait partie de l'application. C'est un filtre qui va analyser toutes les requêtes. Donc il va pouvoir analyser la requête en entier. Et on va même pouvoir lui donner d'autres informations. Par exemple, on va pouvoir lui dire, dans la requête, tu vois, il y a ce paramètre-là, ou cette donnée-là, ça, c'est l'identifiant de l'utilisateur. Et tu peux voir que c'est souvent cet utilisateur-là qui fait pas mal d'attaques. Peut-être qu'il faudrait bloquer toutes les requêtes qui viennent de cet utilisateur-là, parce que celui-là, visiblement, il est malveillant. Et en plus, on peut agir en tout cas avec beaucoup plus de contexte. Et on peut faire un blocage beaucoup plus pertinent qu'avec un WAF. Mais l'inconvénient, c'est que le RASP, il est sur l'application. Donc ça veut dire que si on lance 2 millions de requêtes dans un laps de temps très court, et c'est le serveur qui va les bloquer, puisque le RASP, il est sur le serveur. Donc ce qu'on peut mettre en place, c'est et le WAF et le RASP. Et le RASP, à partir du moment quand il voit qu'il y a une IP qui fait vraiment qui fait vraiment des choses pas très très gentilles, et ben on peut envoyer l'IP au WAF qui va bloquer les requêtes au niveau réseau. Comme ça, les requêtes légitimes pourront être exécutées et il n'y aura pas trop de charges sur le serveur. Ensuite, finalement, des tests automatiques qu'on pourrait ajouter, ce sont certains tests d'outils de hackers, donc hackers bienveillants ou non, ils ont tout un panel d'outils qui mettent à disposition de tout le monde. Donc il y a Nmap par exemple, qui est un outil en ligne de commande qui va analyser tous les ports ouverts et les services ouverts. Donc ça peut être intéressant sur nos infrastructures d'avoir cette analyse. Il y a un autre outil qui est intéressant, c'est Nuclei. C'est un outil qui va faire des gros scans massifs. Donc attention à ne pas mettre ça en production parce que ça peut mettre à plat les serveurs. Mais ça va tester vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et c'est intéressant. Il y a plein, plein, plein d'autres outils qui pourraient être utilisés et qui seraient intéressants. Ensuite, on va passer à des outils un peu moins automatisés. Et finalement, un basique. Finalement, c'est de la formation. Parce que les devs, ils doivent connaître le framework du bac, le CSS, le SQL, l'accessibilité. Ils doivent connaître aussi Docker et l'infra as code. Et ils ne peuvent pas tout savoir. Et c'est normal. Et la sécu, finalement, ça passe un peu peut-être à la trappe. Parce qu'il faut développer, faut avancer sa user story rapidement. Et donc c'est important de former les développeurs à la sécurité. Et c'est important d'avoir une formation pertinente. C'est-à-dire on va former les devs sur les bonnes pratiques, mais les bonnes pratiques, on les connaît déjà. Le top 10 OWASP, on peut le consulter, on peut en parler, c'est vrai, c'est intéressant. Mais c'est surtout intéressant de prendre cette formation dans le contexte de l'entreprise. On utilise ou dans le contexte de notre projet. On utilise dans notre projet tel framework. Et tel langage, tel langage, il est plutôt sujet à certaines vulnérabilités. Par exemple, le Java, on sait que la sérialisation, désérialisation, ça pose souvent souci. Donc, il faut surveiller les entrées des utilisateurs et faire attention à notre code à ce moment-là. Et on doit aussi former nos développeurs aux vulnérabilités qui sont connues, des vulnérabilités qu'on a eues, qu'on a corrigées. Ou des vulnérabilités, ou si on a eu une fuite de données dans l'entreprise, pour comment c'est arrivé, pourquoi. C'est hyper intéressant de former surtout les nouveaux développeurs. Donc faire une formation quand ils arrivent sur le projet ou dans l'entreprise, et une formation, un petit recyclage tous les ans, puisque il y a des nouvelles vulnérabilités très régulièrement. Donc un petit recyclage. Ça peut ne pas faire de mal. De la documentation. Donc surtout dans cette période de télétravail où tout le monde on travaille un peu en asynchrone,
c'est difficile et c'est peut-être bien aussi de ne pas pouvoir déranger son collègue toutes les 5 minutes avec des questions. Et donc avoir une documentation à jour et accessible à tous tout le temps. C'est assez simple. Et donc c'est pareil, on va reprendre peut-être des choses qu'on a mises dans la formation, donc les grands principes, etc. Mais aussi bah, la liste des vulnérabilités déjà rencontrées. C'est hyper intéressant, par exemple, dans le cadre de revues de code. Quand on revoit du code, bah, on peut se dire, bah, voilà, on a déjà eu, nous, ce genre de vulnérabilité. Est-ce que dans le code que je suis en train de revoir, ou le code que je soumets, est-ce que ça peut être sujet à ces vulnérabilités-là? Autre chose intéressante à mettre dans la documentation, ce serait une échelle d'évaluation des données traitées. Par exemple, on traite des noms, des prénoms, des adresses mail, des numéros de carte bancaire, des informations qui peuvent être très sensibles. Ou alors, on traite des choses qui ne sont pas considérées comme des données personnelles. Et à ce moment-là, ce n'est pas un problème. Mais au moins, d'avoir une classification, bah voilà, on stocke un numéro de carte bancaire, c'est critique, c'est hyper important, ça passe. Un email, c'est une donnée personnelle. Donc, il faut faire attention. Est-ce que c'est public? Est-ce que c'est confidentiel? Donc, ensuite, le programme de sécurité champion. Alors, le nom, il n'est pas top, mais c'est un peu. Tout le monde utilise ce nom-là. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, dans le contexte, un peu à la Netflix ou à la Spotify, une équipe pluridisciplinaire. Donc, il y a. Dans l'équipe, il y a des devs front, back, il y a le PM, il y a la QA, etc., etc. Et ben, il y a une personne qui est désignée volontaire ou volontaire tout court, qui a la casquette de la sécurité dans l'équipe. C'est-à-dire, elle fait pas partie de l'équipe de sécu, elle fait pas bien partie de la feature team, mais elle a même pas besoin d'être experte en sécurité, mais c'est juste. Son rôle va être de reposer la question de la sécurité au moment de la conception, au moment du dev, au moment de l'architecture. C'est important de se dire, bah voilà, on va une nouvelle fonctionnalité, on va la faire comme ci, on va la faire comme ça. Et bah, une personne qui va juste poser la question, bah attendez, est-ce que tu as pensé à telle attaque possible? Est-ce que tu as pensé à telle chose? Sans forcément avoir la réponse, mais au moins, parce finalement, on les connaît tous, les réponses. Ou si on ne les connaît pas, eh ben, on a dans l'entreprise des référents qui peuvent nous aider. Mais en tout cas, de poser la question, c'est intéressant. Et dans le programme de sécurité champion, on réunit, ben moi j'en ai mis un dans l'entreprise pour laquelle je travaille. Tous les mois, on se réunit ben, en visio, du coup, mais on se réunit et on parle juste des sujets de sécurité du moment. Depuis la dernière fois, ben, il s'est passé ça, ou alors on a développé tel truc, on a vu telle vulnérabilité, il y a telle librairie qui est vulnérable, est-ce que vous l'avez tous bien mis à jour, etc., etc. Ou alors on parle de vulnérabilité, de vulnérabilité que personne connaît forcément, enfin que les gens ne connaissent pas forcément, des petites présentations, etc. Ça permet d'ajouter un petit peu de culture de la sécurité dans l'équipe de dev. Ensuite, le risk assessment. Donc ça ça ferait plutôt partie de la conception. Donc avant de développer, on se pose la question, quelles sont les données qu'on manipule? Est-ce qu'elles sont critiques? Est-ce qu'elles sont confidentielles? Quelles sont les menaces qui peuvent peser sur ces données-là? Quel est le risque? Est-ce que c'est un risque financier? Est-ce que c'est un risque de réputation? Est-ce que c'est pour le client le risque? Est-ce que c'est pour l'entreprise? Alors on n'y aborde pas de solution, mais on se pose simplement les questions et on les note dans un petit document. Quand je dis on, c'est des personnes techniques, il n'y a pas besoin d'avoir toute l'équipe, un dev. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir quelqu'un de fonctionnel aussi, parce que cette personne-là va aussi avoir un regard intéressant sur la donnée qu'on manipule. Et si ça vous intéresse, je vous encourage à aller sur le site de Mozilla, qui a une méthode de rapide risk assessment, qui en une demi-heure, on a rempli le document et on sait ce qu'on manipule. L'étape suivante,
J'ai dit qu'on n'abordait pas comment remédier aux attaques possibles. Et ben c'est là qu'on va le faire. C'est dans le threat modeling, donc la modélisation des menaces. Donc il y a des frameworks qui existent, Stride, Pasta, CVSS. Ils sont plutôt accessibles. Donc c'est des frameworks qui vont nous dire, bah voilà. Comment rédiger ce document de threat modeling. Donc le but, c'est que ce ne soit pas un document de plus que personne consulte, mais un document qui vit au fur et à mesure du développement du logiciel. Et donc dans ce document, on va reprendre ce qu'on a dit dans le risk assessment, reprendre les risques et point par point indiquer comment on réduit le risque le plus possible. Et là encore, les fonctionnels peuvent faire partie de ce point-là. Ça leur permet aussi de, quand ils imaginent de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins des utilisateurs, bah, ils pensent aussi à la sécurité. Donc il y a d'autres outils d'analyse. Ces outils d'analyse, les deux, là, threat modeling et risk assessment, l'idéal, c'est de les faire en début avant de coder, mais on peut reprendre une application existante et rédiger ces documents. C'est donc pour l'avoir fait, alors j'ai pas fait encore le threat modeling, mais le risk assessment, ça lève quelques questions. Ça se dit, ah bah tiens, j'ai telle donnée, est-ce que j'ai fait telle vérification? Ça a levé des questions aux devs qui étaient très intéressantes et qui s'étaient pas posées jusque-là. C'est tout le but. Du risk assessment. Ensuite, alors c'est un peu général, mais c'est les KPI. Pourquoi on aurait intérêt à avoir des KPI? Donc, des KPI, c'est un joli mot pour Key Performance Indicator, c'est quelques indicateurs. Quel serait l'intérêt d'avoir ça? Et ben, c'est pour aussi se rendre compte des outils, des actions qu'on a mis en place. Si on prend par exemple l'outil d'analyse des dépendances, on le met au début, on voit le nombre de vulnérabilités qui ont été relevées, et un an après, quel est le nombre de vulnérabilités qu'on a toujours? Parce qu'il y en aura toujours, hein. On n'arrivera jamais à zéro. Mais est-ce qu'on a beaucoup de critiques, on a beaucoup de élevés, est-ce qu'on a beaucoup de moyens? Et ça permet de nous dire, bah voilà, on a mis en place un outil. Ça a coûté peut-être de l'argent, ça a sûrement coûté du temps, mais au moins on a un retour et on a un indicateur, on sait si ça sert et on sait si ça sert à rien. Et si ça sert, on pourra plus facilement négocier avec la direction pour avoir du budget ou du temps pour mettre en place d'autres outils. Alors le plus dur, c'est de trouver le bon KPI. Donc, est-ce que c'est le nombre de vulnérabilités? Est-ce que c'est le nombre d'attaques qu'on a pu arrêter? Le temps d'intervention? Le temps de résolution? Est-ce qu'on pourra trouver un coût par incident? Il y a eu un incident, on l'a repéré assez vite. Quel a été le coût de résoudre cet incident? Et s'il avait été corrigé plus tôt, est-ce que ça aurait coûté moins cher? Alors, c'est très difficile de trouver les bons KPI. L'idée, c'est d'être le plus simple possible et d'être le plus factuel. En conclusion, la conclusion. Donc l'idée, c'est qu'on a des outils, donc dans notre cycle de développement. Et l'idée, c'est de ne pas se retrouver avec des barrières, comme on a pu en parler au début, de ne pas faire un backlog et ensuite un threat modeling. On code. Et on passe l'analyse de code ou de dépendance. On fait des tests et on passe le DAST ou le YAST. On déploie et ensuite on fait des tests de pénétration. L'idée, c'est plus bah, d'intégrer toutes ces parties-là, tous ces outils automatiques ou non de sécurité et de les intégrer directement à notre processus de développement. Pour que la sécurité fasse partie intégrante du développement, donc DevSecOps, la sécurité est au milieu de tout. Faut pas que la sécurité soit une barrière. Faut que nos outils soient faciles à utiliser et faciles à mettre en place pour que ça fonctionne. Si c'est pénible d'utiliser l'outil d'analyse de code, bah personne ne va le regarder.
Donc il y a des manières de le faire le plus intelligemment possible. Par exemple, donc ça, c'est valable, l'analyse de code, c'est valable pour un outil de sécurité ou non. Mais si on met en place dans notre projet qui en a pas, bah, peut-être qu'il faut commencer par seulement le nouveau code. Dans les pull requests, l'outil SAST va analyser le nouveau code et au fur et à mesure, bah, notre code va se sécuriser tout seul finalement. Parce que c'est rare qu'il y ait une partie du code qu'on ne touche jamais et qui reste comme ça depuis du début jusqu'à la fin du projet. Et donc dans le DevSecOps, comme pour le DevOps, c'est l'Ops qui met des outils, qui offre des outils aux devs, et bah, dans le DevSecOps, la sécurité, l'équipe de sécu fournit des outils aux devs également. Et donc c'est le dev qui est au centre de la création du logiciel. C'est le développeur qui a le pouvoir finalement. Parce que surtout dans les infrastructures modernes, avant l'infrastructure c'était du bare metal, maintenant c'est le cloud, et finalement le cloud c'est du logiciel. Donc on manipule une fois de plus du logiciel et ce sont les devs qui le font. Et donc ces changements, ils doivent passer bah, par des outils, comme on a vu, mais aussi peut-être par des changements d'organisation, ou en tout cas par de l'humain, pas seulement par des outils. Et donc pour finir, je voulais dire que c'est le dev qui crée, c'est lui qui fait les choix techniques d'implémentation, c'est lui qui choisit finalement, je vais utiliser telle librairie plutôt que telle autre. Et c'est lui qui va faire le choix, bah, peut-être qu'il faut prendre un risque de sécurité pour certaines parties pour aller plus vite, mais il peut aussi se dire, bah voilà, là c'est trop risqué, là il faut que je fasse attention, là il faut que je prenne plus de temps, là il faut que je m'outille. C'est le dev qui a le pouvoir. Et merci de votre attention. Et si vous avez des questions, on a un petit peu de temps. Oui. Alors moi, si j'en avais un à mettre en place en premier, c'est l'outil d'analyse des dépendances. C'est clair. On utilise beaucoup. Finalement, le code qu'on met en production, on a fait 10%. On a écrit 10% seulement de ce code-là, parce qu'il y a tellement de librairies, de frameworks. Le framework, il nous fait tout, et le framework, il a potentiellement des failles. Et je sais que c'est pas facile de mettre à jour un framework. Mais c'est de là, c'est des librairies, c'est des librairies et des sous-sous-librairies que viennent les failles. Donc moi, je commencerai par l'analyse des dépendances. Évidemment, mais comme tu utilises beaucoup beaucoup de code du framework, il y a plus de chances que ça vienne de ce code-là. Et en plus, il faut les gens qui collaborent sur ces frameworks, ils font au fur et à mesure, et il y a des nouvelles versions perpétuellement. Et notre travail à nous, quand on utilise un framework, on ne va pas passer notre temps à mettre à jour le framework. Et ça parce que ça prend beaucoup de temps. Et passer notre version majeure avec des changements obligatoires dans notre code à cause du framework, à cause d'une mise à jour de framework, bah finalement on se dit, bah non, c'est trop coûteux, là faut que je réécrive une partie de mon appli, j'ai pas le temps. Donc du coup, il faut quand même analyser. Si tu analyses la dépendance, tu vas avoir un poids de plus en disant, bah attendez, si on ne nous donne pas le temps de mettre à jour le framework, bah on s'expose à telle vulnérabilité. Mais effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Mais comme le framework représente beaucoup finalement de code qu'on a dans notre appli, ça fait plus de vulnérabilités possibles. Pas d'autres questions? Si? Alors, moi, je pense que ça dépend de ce qui est développé.
Si tu es dans une entreprise qui fait un outil de paiement en ligne, bah, ce sera beaucoup plus tôt que si tu fais un outil qui fait des impressions écran. Donc c'est difficile de répondre facilement à cette question. Ça dépend vraiment des données que tu manipules, si elles sont critiques ou pas, et surtout si elles sont critiques pour le business. Parce que si tu te fais pirater, bah, ça va gêner peut-être tes utilisateurs. Mais ça va peut-être aussi remettre en cause ton entreprise. Donc à partir du moment où ça peut remettre en cause ton entreprise, bah, il faut le faire assez tôt. L'un n'empêche pas l'autre. Parce que si tu fais... Alors bah, c'est intéressant de commencer par un programme de bug bounty, en privé, pas en public, parce que autrement tu vas te faire mitrailler de rapports. Ils sont prêts. Moi, je gère actuellement d'ailleurs un programme de bug bounty. Ils sont pré-triés, mais quand tu les reçois, bah, il y a quand même, il faut quand même quelqu'un qui ait conscience que est-ce que c'est un bug qui est très grave, est-ce que ça ne l'est pas, est-ce qu'on corrige rapidement, et puis bah, ça va dépendre aussi de bah, dans ton programme de bug bounty, ça se trouve, tu vas avoir beaucoup de bounty parce que ton équipe de dev n'est peut-être pas introduit beaucoup de bugs de sécu. Et du coup, bah, peut-être qu'il va falloir quelqu'un qui les corrige assez rapidement parce que l'équipe de dev, si elle introduit beaucoup de bugs de sécu, bah, est-ce que c'est parce qu'on leur laisse pas de temps de faire les choses un peu plus proprement? Est-ce que du coup, est-ce qu'ils vont avoir le temps de corriger les bugs de sécu? Parce que peut-être que la priorité, c'est plutôt des nouvelles fonctionnalités plutôt que stabiliser l'application. Mais là, l'un n'empêche pas l'autre. Et ben, merci beaucoup. Et bonne fin de conférence.